Je m'appelle Maude. Moi, je travaille au IGA des Sources depuis un an. Donc, je suis conseillère en nutrition ici. Je suis étudiante en nutrition à l'Université Laval. Et mon rôle ici, c'est vraiment de donner des conseils aux clients. Donc, j'ai un petit kiosque pour présenter des recettes, des informations. Donc, par exemple, le guide alimentaire canadien que je présente beaucoup aux clients. Le but, c'est de les amener à varier leur alimentation, à découvrir des nouveaux aliments. Donc, chaque semaine, je choisis un thème. Je vais faire une feuille d'information avec les valeurs nutritives, avec plusieurs conseils, informations sur l'aliment. Puis, je vais proposer des recettes pour amener les gens à découvrir des nouvelles façons d'apprêter plusieurs aliments. Donc, aussi, je suis là pour aider les gens à faire des meilleurs choix. Donc, souvent, les gens vont venir me voir avec deux produits. Ils vont vouloir savoir lequel est le meilleur pour eux. Donc, moi, je suis là pour vraiment leur montrer qu'est-ce qui fait qu'un aliment est meilleur qu'un autre. Donc, leur montrer la liste d'ingrédients, la table de valeurs nutritives pour les aider à comparer les aliments. Puis ensuite, qu'ils soient capables par eux-mêmes de faire des meilleurs choix pour leur forme. Donc, souvent, après les fêtes, les gens aiment ça, avoir un moment un peu plus, manger un peu plus léger. C'est sûr que pendant les fêtes, on mange beaucoup de gras, beaucoup de sucre. Donc, c'est le fun un peu de changer notre alimentation. Moi, je peux être une personne ressource pour les aiguiller un peu là-dedans, montrer des nouveaux produits qu'ils pouvaient manger. On ne rentre jamais dans les restrictions. Dans le fond, c'est juste de faire des substitutions un peu pour trouver des meilleurs aliments. Donc, par exemple, des collations comme du lait de soya, comme ça ici. Donc, nous, on en a en magasin. Puis, au IGA, on a une belle section biologique. On a plusieurs produits qu'on offre. Et, par exemple, justement, les laits de soya ici. On a des beurres d'amandes, des beurres d'arachide. On a vraiment une variété de produits. Donc, venez me voir au IGA des Sources et je vais pouvoir vous conseiller au meilleur de mes connaissances.